ça me prend des notes et tout, je suis obligée de m'abonner. Ah bon? Obligée carrément. C'est quoi cette musique là? Ah, c'est là-bas qu'il y a la fête ou pas? La fiesta. C'est là qu'à pied, je tombe sur une station essence. Est-ce qu'on serait pas mort de rire? It was at this moment that he knew. He fucked up. Sub. Merci beaucoup. C'est super gentil, ça fait plaisir. Merci. Ça c'est cool. On va se mettre dans la cahute là parce qu'il pleut. Eh, une petite radio et tout. On peut faire la fête. Bon, maintenant, on va descendre de garage en garage parce que les garages, c'est les endroits où il y a toujours des gens qui passent. Longue vie à ton verso. Merci beaucoup, Inosis. Inosis, pardon, j'écorche ton pseudo. Alors, j'entends des bruits, mais j'arrive pas à savoir si c'est une vraie voiture ou si c'est les bruits préenregistrés dans GTA. J'imagine que c'est des bruits préenregistrés. Sinon, là, il y a l'hôtel. On pourrait dormir là, mais. Et s'en occuper demain, mais bon. Bonjour Francky, bienvenue sur le live. En plus, tes notes sont trop adorables. Bah écoute, merci beaucoup. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui vient de les refaire en meilleure qualité. Ta voiture, pense à la police. Ouais, mais j'ai hésité à les appeler, mais bon. Ce sera plus rigolo d'essayer de courir, trouver quelqu'un. Et puis si vraiment on trouve pas, on m'avisera. On va faire cette photo là aussi. Pour un jour où on n'aura rien à mettre sur le truc anonyme, mais pas aujourd'hui parce que je veux pas je veux que la prochaine photo ce soit sur quelqu'un, sinon ça va être que des lieux et c'est pas rigolo. Avec le téléphone sorti pour avoir la preuve. Et une sans le téléphone. Voilà. Pas à part les appeler, mais la police qui peut retirer la voiture. Ok. Oula, tu te prends trop la tête pour ce serve. Les preuves ne servent à rien avec les procs et les flics. Non, non, c'est pas pour. C'est pas une preuve. Comment dire? C'est pas une preuve pour les procureurs ou les flics. C'est juste pour justifier dans mon RP que. Bon, ça me prend 2 secondes, tu sais. J'ai pas envie qu'un jour, genre, je fasse une photo de quelqu'un qui soit pris en flagrant délit en train de faire un truc interdit et que moi j'ai la photo par exemple et que je la diffuse sur mon blog et que on me dise non t'avais
T'avais pas à faire la photo, personne savait que t'étais en train de faire la photo, et que j'ai pas eu le réflexe de faire la photo avec le téléphone sorti. Du coup, je me dis, autant prendre l'habitude, ça me prend 2 secondes, et au moins j'ai une preuve de chaque pour justifier, que de, tu sais... Je trouve que c'est mieux de prendre le réflexe de le faire. Au moins tu peux justifier du truc, au moins tu te protèges de n'importe quoi, puis... Puis c'est vrai que comme ça, t'es pas tenté de faire la photo en secret sans que personne le voit, tu vois, même pour le RP, c'est plus rigolo. Si tu as pas d'amis, la photo te servira à rien, tu vas... Mais c'est pas, en fait, c'est pas une photo que je veux mettre dans un... Je veux pas m'en servir, mon persona, il va pas s'en servir, elle, pour faire valoir ce droit ou quoi. La photo, c'est pour... C'est pas pour que mon personnage, elle puisse justifier de la photo, c'est pour moi, en tant que joueuse, je puisse justifier que j'ai fait la photo dans les règles du RP, tu vois, genre... Alors du coup on est parti, ouais, on va essayer de squatter là-bas. Trouver quelqu'un qui nous emmène à une pompe à essence. Je pourrais appeler un ami ou quoi, mais ce serait beaucoup moins marrant. Je préfère galérer un peu. Bon. Allons-y. Non, 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 Mila, non! Bam! J'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal. Non, c'est faux quand même, tu viens de faire une belle chute, donc allonge-toi, s'il te plaît. Pourquoi elle veut pas s'allonger, cette pute? Ah bah, elle est contente, en plus. Allez, Lila! Yes! Allonge-toi. Elle veut pas. Non, mais je te dis ça, fais-toi plaisir. Les lois sont pas les mêmes pour tous. Je trouve à la fond, c'est quand même regarder, le reste, c'est que des on dit. Ouais, t'as raison. Non, mais c'est gentil de prévenir, quand même. Mais c'est plus en tant que joueuse que pour mon perso que je fais ça. C'est pareil pour en tant que joueuse se protéger. Enfin, si un jour il se passe un truc et qu'on me dit ça a pas fait ça dans les règles, tu vois, que je puisse justifier que en fait si, tu vois. Après, les magouilles sur les serveurs, c'est vrai que c'est toujours pareil, hein, en général. J'imagine. On va descendre encore vers celui qui est par là-bas. Mais... On verra bien si on croise quelqu'un qui peut nous amener chercher de l'essence. Moi, ça nous fait un petit peu bouger. Elle est là, elle est en train de se dire qu'elle soit une merde, putain. Je suis tombée en panne d'essence, j'ai perdu mon chat. En fait, c'est un petit chat qu'elle avait trouvé déjà depuis quelques jours, sauf que bon... Je l'avais pas intégré à mon RP. C'est bien, comme ça on va le chercher partout. Mon RP pas, hein. Tu auras tort. Et ouais, et c'est pour ça. C'est pour ça que même si ça vous semble des fois inutile de prendre des précautions comme sortir le téléphone ou quoi. Mais il vaut mieux parce que genre même si t'as pas les gens contre toi, c'est tellement facile en fait. Je pense sur la live par exemple, un jour quelqu'un m'a dénoncé pour un truc faux, bah, je peux vous en parler maintenant que je suis plus sur la live. J'étais en jeu, j'ai fait un retour bureau. Et quand je suis revenue du retour bureau, directement j'ai envoyé un SMS à un moment pour lui dire ouais... Est-ce que t'es en ville? Est-ce que tu veux qu'on se voit? Et en fait, évidemment, moi j'ai pas la connexion capable de supporter en même temps que je stream et que j'arrive sur le stream de quelqu'un en même temps. Ben, je peux le faire un petit peu, mais ça fait des lags sur mon stream. Enfin, genre. Et surtout, je peux pas jouer, streamer et être sur un stream en même temps. C'est complètement impossible. J'ai une connexion de merde, je peux pas le faire. Et en fait, il y a quelqu'un qui a dit et qui a reporté, et pour ça, j'ai été convoquée en. Comment ça s'appelle? En commission là. Comment ça s'appelle? Les commissions de genre de... un entretien en fait, pour vérifier ce que t'as fait de mal ou quoi, j'ai perdu le mot, enfin bref. Vous savez, par les admins du serveur et les modos. Un espèce de conseil, Glicker. Et en fait, ils m'ont dit, ouais, genre...
Ils avaient l'air sûrs déjà que je l'avais vraiment fait, ce qui m'a beaucoup. Ouais, un entretien dans la vraie vie. Hein. Je fais pas un... C'était pas un entretien dans le jeu, c'était dans la vraie vie. En tant que joueuse, j'ai été convoquée sur Discord et ils étaient plusieurs et ils m'ont dit voilà, on nous a dit que. On nous a dit que tu avais fait un retour bureau, que pendant ce retour bureau, tu étais allé sur le stream de moment pour voir s'il était en jeu ou pas, et que quand tu as vu qu'il était en jeu, tu lui as envoyé un message pour le retrouver. T'as pas le droit de faire ça. Et on a lâché le mot qui m'a trop énervé. Genre, t'es accusé de stream hack. Le mec m'a accusé de stream hack. Genre, pas, je parle pas des admins qui ont fait leur travail en vérifiant le truc, même si je trouve ça abusé de vérifier une source pareille. Genre, que le mec qui a fait ça, je sais qui c'était. C'était un rageux qui venait d'un autre stream, un petit con là, qui a raconté de la merde en plus parce que j'avais jamais fait ça et je le fais pas, tu vois. Alors. Ils l'ont pris au sérieux, ils ont donné du crédit à un mec comme ça, ils m'ont fait perdre du temps en me convoquant juste avant mon stream alors que j'étais censée jouer. Ils m'ont énervé parce qu'après j'ai pas pu lancer mon stream, j'avais les boules, j'étais dégoûtée. On m'a accusé de. Le mot m'a tellement énervé, me faire accuser de stream hack pour un truc faux. Et en plus, non seulement je l'avais pas fait, parce que je lance pas de stream quand je suis en stream. Et en plus. Eux, ils me croyaient pas. Ils m'ont dit, bah écoute, t'as mec, c'est quand même bizarre, t'as fait un retour de bureau, quand t'es revenu, tu l'as contacté directement. Et non seulement ils me croyaient pas, mais en plus, j'ai envie de dire, si t'as un ami qui habite à l'autre bout de la France, que le seul moment où tu peux jouer avec lui, le seul moment où tu peux lui parler et t'amuser avec lui, c'est de le retrouver sur GTA dans un jeu. Est-ce que ça serait si mal que ça, de quand tu vois, par exemple, j'ai fait un retour bureau, je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu sur Discord qu'il était sur la life. Et que du coup. J'ai envoyé un message, Gorge, j'ai dû voir qu'il était sur 5M, et du coup j'ai envoyé un message pour savoir s'il était dans la ville de la. Qu'il était sur le serveur de la life ou sur une autre ville, donc j'ai envoyé un message. C'est probable que ce soit passé comme ça, mais je suis pas allée sur son stream, mais c'est probable que sur Discord j'ai vu qu'il était sur un serveur. Et qu'est-ce que ça ferait de mal en fait, de voir que ton ami il est en jeu et de vouloir faire des jeux avec lui? Genre, c'est pas comme si j'avais pisté pour essayer de faire tomber un réseau, que j'étais allée sur son stream pour voir à quel endroit il était, pour m'y rendre aussi. Genre, juste, j'ai fait un retour bureau pour voir mes messages Discord, j'ai vu qu'il était peut-être sur GTA et j'ai envoyé un message. Je savais même pas s'il était sur le même serveur que moi, j'ai juste envoyé un message pour savoir s'il voulait qu'on se voit. C'est tout ce que j'ai fait. Et genre, je trouve ça fou que. Il m'accuse comme ça, qu'il me fasse perdre de temps. J'avoue que ça, cette convocation, je l'ai eu dans la gorge, mais à un moment, quoi. Je leur en ai voulu, ouais. Genre, j'étais fâchée. Que déjà, ils donnent du crédit à un petit con comme ça qui fait des accusations calomnieuses, parce que le mec a dit que j'étais allée sur le stream de moment, ce qui est complètement faux. Eux, quand je leur ai dit que non, ils m'ont dit, mais t'as des preuves, parce que franchement, mets-toi à notre place. Sur la rediff, on voit que tu fais un retour bureau, ça fait vraiment ça. Ça fait vraiment ça, sauf que je l'ai pas fait, tu vois. Et je suis d'accord qu'on surveille pour le stream hack, mais qu'on m'accuse de stream hack parce que soi-disant je serais allé sur un stream pour envoyer un message à la personne après pour le voir, je trouve ça un peu fort. Surtout que on n'avait jamais rien eu à me reprocher. Enfin voilà, ça m'a beaucoup énervé. Je trouve que ce truc-là, je l'avais vraiment dans la gorge. Surtout le mot en fait. Le mot qui a été lâché, c'est tellement fort, tu sais, pour ce que j'avais. En plus, si ça tombe, c'est même pas ce qui s'est passé, tu vois. Moi je dis, à l'heure d'aujourd'hui, je dis si ça tombe, j'ai vu sur Discord qu'il était. Là-bas, il y a une voiture. Oh putain. Il y avait une voiture. Une seule voiture. Génial. Allez, là, alors que si ça tombe à l'époque, c'est même pas ce qui s'est passé. Si ça tombe à l'époque, c'était vraiment juste. Je suis allée voir mes messages Discord et en revenant. Comme, en général, quand je vais voir mes messages Discord, c'est que mon action de jeu, elle est finie. Et mon perso, il devait être debout dans un coin et genre. Si tu veux voir message Discord, voir si j'ai reçu si Lila elle a reçu des messages en RP. Et en revenant, bah, je me dis qu'est-ce que je fais. Et du coup, en revenant, j'envoie un message aux gens que je connais, voir s'ils sont dans le coin. Si ça tombe, c'est juste ça qui s'est passé. Si ça tombe, je savais même pas qu'il était sur la live. Maintenant, avec le recul, je dis peut-être que j'ai vu sur Discord qu'il était sur GTA. Mais même, ça justifie pas des accusations pareilles. Ça justifie pas une convocation. Ça justifie pas des accusations comme ça, c'est tout. Putain, merde, on me retrouve sous la pluie. Je viens de ça, je l'avais vraiment travers la gorge, c'est un truc qui m'a saoulé et là que ça m'a rectifié un peu genre dans le truc
Maintenant, c'est sûr que quoi qu'il arrive. Oh. Yes, yes, yes. Quoi qu'il arrive, je prends mes précautions et c'est pour ça que je fais cette photo. Bonjour. Monsieur? Ouais, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. En fait, il m'arrive un truc très con. Je suis tombée en panne d'essence, pas très loin d'ici, derrière le parking de la mairie, en fait. Et je veux savoir si vous pouviez m'aider à trouver une pompe à essence, que j'achète un bidon ou un truc comme ça. Une pompe à essence? Je crois qu'il y en a une pas loin derrière, là. Ouais. Ça fait des heures que je tourne, j'en peux plus. Je cours sous la pluie, j'ai laissé ma voiture vers la mairie, là. Ah bah écoutez, venez. Ah merci, c'est super gentil. Faut acheter électrique. Électrique, ça consomme pas. Et en fait, c'est des amis qui me l'ont prêté et du coup, j'avoue qu'ils m'avaient proposé de me prêter la voiture électrique et je regrette tellement de pas l'avoir empruntée et au lieu de ça, j'ai pris l'autre, à essence. Et j'aurais vraiment mieux fait de prendre celle-là en fait, l'électrique. D'ailleurs, dès demain, je vais leur ramener la voiture essence et je vais leur dire finalement, je vais bien emprunter l'électrique que vous m'avez proposée. Et voilà. Ah, merci beaucoup, c'est super gentil. Yes! Bonne soirée! Bonne soirée, monsieur, merci beaucoup! Ah, oh, monsieur, non! Monsieur! Quoi, mais on peut pas acheter de. On peut pas acheter d'essence? Allez, au chat, je t'ai dit au market. Sérieux? J'en ai marre. Bon. Merci, désolé, j'ai pas. Des fois, je loupe vos messages, c'est pas. C'est vraiment pas volontaire, mais. Des fois, je loupe vos messages. Ça va. Bon, j'aurais mieux fait d'emprunter la voiture électrique, hein. Après, c'est vrai qu'il faut comprendre que pour un serveur, il y a des gros streamers qui font vivre le serveur. Et c'est tellement dur de tenir un serveur sur la durée, tu vois. Que je peux comprendre que des fois, tu laisses passer des choses pour les gros streamers, en fait. C'est tellement fragile, un équilibre sur un serveur et tout. Des fois, il suffit qu'un gros streamer se barre pour que ton serveur se casse la gueule, en fait. Du coup, je peux comprendre, tu vois. Je peux vraiment comprendre qu'il soit tenté de laisser passer des trucs, tu vois. Même si c'est pas logique et même si c'est pas juste, faut voir aussi que ben, si tu veux que ton serveur y perdure, des fois t'es obligé de t'écraser sur certaines choses. Tu peux voir un peu ton chat. Mais ouais, les règles sont censées être les mêmes pour tout le monde, mais faut aussi se mettre à la place des gens qui ont mis du temps, qui mettent de l'énergie à avoir un serveur. Quand tu sais que t'as mis du temps à bâtir quelque chose, mais que ça peut se casser la gueule du jour au lendemain, si tu vires un gros streamer, mais tu réfléchis à deux fois avant de le virer, je trouve ça normal. C'est quand même beaucoup d'investissement en serveur, quoi. Bon. J'ai acheté plein de jerrycans, j'espère que c'est assez. On va retourner à la mairie maintenant. Si on trouve quelqu'un pour nous déposer en route, ce sera bien. Puis sinon, ça va faire un peu de RP. RP course à pied sous la pluie. Donc, on est garé là-bas.
Sympathiser avec... Après, moi, j'ai pas besoin de sympathiser avec les motos. Tu sais, moi, je vois pas en quoi je me ferais mal en vrai. J'ai pas un RP. J'ai pas un RP à problème en fait. J'ai pas un RP à risque. J'ai pas. Tu vois, souvent quand il y a des problèmes, c'est genre entre les policiers, ceux qui font de l'illégal, parce qu'il y a des problèmes de. T'as pas eu les infos correctement, parce qu'il y en a qui sont tentés de prendre des raccourcis, ou qui sans le faire exprès, des fois, tu peux déduire des trucs. Que t'as appris hors RP et que tu. Et c'est pour ça que je vais pas sur les streams des autres gens, sur les mêmes serveurs que moi. Quand j'étais sur la live, j'allais jamais sur le stream de mes amis qui étaient en stream parce que je voulais pas. C'est tellement facile de sans le faire exprès déduire des trucs que t'es pas censé savoir en RP. Du coup, ouais. C'est souvent pour des histoires comme ça, ou alors t'es sur une action, tu peux tout perdre ce que t'as bâti pour ton personnage. Alors du coup, par exemple, alors que l'autre il est armé, tu t'arrêtes pas, ou alors tu tires, ou tu t'es censé t'écrouler, mais tu t'écroules pas parce que tu sais que si tu t'écroules, tu vas tout perdre. Et du coup, t'es tenté de faire un peu des trucs qui sont pas vraiment legit et de, du coup, de continuer à courir alors qu'on t'a tiré dessus, par exemple. Souvent, c'est pour des trucs comme ça, les bannes. Et moi, je vois pas dans quel genre de situation ça pourrait m'arriver en fait. Après, ça m'arrivera sûrement peut-être un jour, hein, mais pour le moment, j'ai pas eu ce problème. Ah, y a pas grand monde là ce soir. Hein. On va regarder sur TeamSpeak. On est plus que 42 in-game, alors c'est quand même plus que sur un serveur normal, mais de toute façon, il est... Ah putain, il est déjà 4 heures, fait chier. Je voulais me coucher tellement plus tôt. On récupère la caisse, on va se coucher, les gars. On va aller dormir sur le canapé d'Ivy. Et puis... On est bientôt arrivé à la voiture. J'espère qu'elle est encore là. Ça fait 3 mois que je suis joueur sur Ad Astra et je n'ai jamais vu de favoritisme. Ouais, c'est ce que je dis, Xayce. Elle est sur là-bas, la voiture. Par exemple, sur Ad Astra, tout le monde est logé à la même enseigne. Hein. C'est pas parce que t'es streamer que tu dois pas passer le truc d'entrée. Si tu le loupes, t'es pas pris quand même. Moi, je suis passé à un point, par exemple. Tu vois. Enfin, moi, je suis pas un gros streamer non plus, mais tu vois, je sais pas comment dire. Quand j'ai demandé le questionnaire en septembre et que la whitelist était fermée, on m'a dit... Merci, Maxou, pour ton host. J'espère que c'est bien comme ça qu'il fallait s'en servir. Bah voilà, nickel. Bah oui, même Diberto. Bah tout le monde a fait les entretiens. Alors, Ivy.
le... au-dessus de ça là-bas. J'ai noté dans le carnet. Hop. On rentre à la maison, les enfants. On recommencera à chercher notre chat demain. Alors demain soir, on va faire du RP, mais pas sur GTA, et on va faire, ça va être sympa. J'ai tellement envie de vous dire, mais en même temps, je peux pas, je suis trop pressée. Pardon. Désolée. Moi, j'ai la question que j'ai butée, que t'en es tout personnage au serveur de la ville. J'ai mis facile 2 heures à répondre. Je suis pas sûre qu'on ait le droit de parler de ce qu'il y a comme question dans le questionnaire, Iguane. Pour ceux qui l'ont pas fait. Parce qu'ici, il y a des gens forcément qui auront envie d'entrer sur Ad Astra et je pense pas avoir le droit de diffuser les questions qui font partie du questionnaire. Après, c'est aussi du coup, bah ouais, ça va être génial, franchement. En plus, je vous le dis, du coup, bah vous l'avez deviné. Hein. En fait, c'est Virdoz qui m'a donné envie de faire du RP. C'est les chaînes de Virdoz et de Gary School qui m'ont fait découvrir le RP il y a 2 ans. Y'a un mec qui va tomber là. Et du coup, genre, juste faire quelque chose demain avec lui, faire une scène avec lui, c'est genre un accomplissement, tu vois. C'est génial. Je te vois pas de ban si tu as pas plus de 100. Aïe 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 aïe. Wow. C'était joli ça quand même. On n'a pas le droit de dire ce qu'on a dit. Non non, on peut pas dire même les questions, Iguane. Tu peux pas dire même les questions, t'as pas le droit de les dire. Hein. Enfin, je dis, je suis pas sûre, mais je suis sûre, c'était une façon de parler. Je suis sûre qu'on n'a pas le droit de le dire. C'est mieux comme ça. Mais c'est pas grave, y'a pas de soucis, Gwen. Tu pouvais pas t'en douter, mais je te le dis, on n'a pas le droit de dire les questions qu'il y avait dans le questionnaire. Ouais, Inosis, sauf que là, je suis en train de partir me coucher et qu'on est plus que 40 sur le serveur, donc tu vois. Après, ceux qui me suivent, vous savez très bien qu'à chaque fois que j'ai un accident, je sors de ma voiture, je me lamente, je vais passer des heures à l'hôpital et tout. Mais au bout d'un moment, faire un RP accident de la route, c'est pénible, surtout pour quelqu'un qui conduit aussi mal que moi. Donc, on va se garer quelque part. Où est-ce qu'ils nous avaient sorti les caisses? Ah bah, juste à côté, je crois. Personne me fait, tranquille. Moi, je le fais, moi. Mais je le fais parce que c'était aussi un truc qui m'avait été reproché sur la live, toujours sur la même dénonciation du même mec. Et ça m'a rendu folle parce que ce soir-là, j'ai dit « Écoutez, j'ai une nouvelle voiture. » Il y avait 2 personnes sur le serveur. On était 2, putain, sur ce serveur. Ce soir-là, il était 4-5 heures du mat et on était 2 et je venais de m'acheter une nouvelle caisse. J'ai dit « Ouais, je vais dans les montagnes pendant qu'il n'y a personne pour m'entraîner à conduire. » J'ai fait un accident, je suis reparti direct en disant voilà, voilà, je suis juste là pour m'entraîner à conduire, on n'est plus en scène. Et on m'a pris la tête avec ça. Et genre, je trouve ça abusé parce que. En gros, on m'a dit si tu veux t'entraîner à conduire, tu vas sur un autre serveur pour t'entraîner à conduire et tu reviens jouer sur la live juste pour jouer. Non, ça aussi, ça m'avait embêté. Après, la live, ils sont super parce qu'ils sont toujours. Ils font ça justement pour éviter qu'il y ait des trucs mal dans leur serveur, ils sont vraiment. Bien investi dans le truc et tout, ils sont super, vraiment, en plus ils sont super gentils, les amis et tout, même tout le monde est super gentil, même le modo, tout le monde est tout super, quoi. Moi, c'est juste, moi ça m'avait vexé ça, parce que ça m'avait agacé qu'on me reproche ça, mais bon. Après, justement, s'ils font ça, c'est pour pas qu'il y ait de problème, et c'est pour que dès que quelqu'un a un truc à dire, bah, il soit entendu, et que les trucs qu'il a gênés sur le serveur, ça le gêne plus. Mais du coup, ça a ses limites, parce que moi, j'ai toujours fait bien, à chaque fois que j'ai un accident, pratiquement, je fais, je me tourne de douleur, je sors de ma voiture, je vais voir si tout le monde va bien. Au bout d'un moment, tu peux pas. En plus, quand tu bosses à côté, bah, t'as déjà pas longtemps d'heures à jouer. Et là, c'est parce que cette semaine, je bosse pas. Mais normalement, je travaille la journée. Du coup, quand t'as déjà pas beaucoup d'heures à jouer. Et
T'as pas beaucoup d'heures à jouer, et genre imagine t'as 3 heures à jouer. Si sur les 3 heures à chaque fois que t'as un petit choc, tu dois pointer à l'hôpital et tout, bah c'est pénible. Alors moi je le fais le plus souvent possible, mais là ce jour-là j'avais dit ouais tout. En fin de nuit, il y avait plus personne, il y avait même plus d'infirmiers pour me dire. Enfin bref, après c'est ça aussi, ce qui est bien aussi c'est que du coup tu sais que la life ils font attention à leurs joueurs et que dès qu'il y a quelque chose qui les dérange, ils sont là pour réagir. Mais je trouve que du coup il y a des limites à ça, que quand il y a n'importe quoi qui est dénoncé, ben c'est chiant. Comme cette personne en fait, la personne qui est arrivée sur mon live qui avait juste la rage et qui a dénoncé tout et n'importe quoi, ça m'a tellement saoulée. C'était là-haut l'entrée, non? C'était pas du tout là-haut, là. Je suis en train de partir n'importe où. On va dormir sur le canapé, on fait pas de bruit. Après non, la life ils filtrent à l'entrée. Non, ils prennent pas que les gros RPI. Ben, ils veulent des gens qui sont investis dans leur rôle. Et c'est tout à leur honneur, ça fait un serveur qui était vraiment intéressant à jouer. De toute façon, pour le moment, c'est sur la life que j'ai rencontré les meilleurs joueurs RP avec qui j'ai jamais joué. Et je les ai joués là-bas. Coucou Sliders! Ah bah t'arrives quand je vais me coucher, mon petit. Et c'est ça en fait, le truc c'est que c'est un jeu avant tout, faut pas que ça devienne... Après la life, ben, moi j'ai aimé qu'ils soient aussi présents pour leurs joueurs, j'ai aimé qu'ils soient toujours à l'écoute. J'ai beaucoup aimé parce que c'était vraiment... L'entrée c'est select, mon entretien vocal a duré 2 heures. L'entretien plus le questionnaire pour entrer sur la live, ça a duré 2 heures. Et quand j'ai su que j'étais prise, déjà l'entretien j'ai trop kiffé. Mais en plus, quand j'ai su que j'étais prise, j'avais l'impression d'avoir le bac, tu vois. C'était vraiment une fierté, tu vois. Et je comprends pourquoi il est si dur, leur entretien. Parce que quand tu joues avec des gens sur la live, ben... Les chaussures sur le canapé, bordel. Pour se coucher, on va mettre la touche 2. Faudrait juste que je me rappelle que c'est la touche 2. Au point encore. Non, le slider, t'as rien loupé du tout. C'était pas ouf ce soir. Si, c'était cool quand on était avec Ivy. Parce que j'étais contente de la retrouver. Mais c'était pas la folie folie. Mais en tout cas, ouais. C'est ça que j'ai beaucoup aimé sur la live. Et vraiment, je vous dis, c'est... Que l'entretien soit si dur, ça fait que quand tu le réussis, t'es vraiment fier de toi. Et puis vraiment, c'est là les meilleurs joueurs avec qui j'ai jamais joué, les meilleures scènes et tout, c'était sur la live. Ce qui fait que quand il y a eu moins de monde, je suis partie un peu à regret parce qu'il n'y avait plus moyen de faire des bonnes scènes. Mais voilà, vous dites, moi la seule mauvaise expérience que j'ai eue sur la live, c'était cet entretien qui m'avait dérangé parce que genre... Le mot stream hack avait été lancé et ça m'avait vraiment blessé. Mais après, du coup, c'est pas entièrement mauvais. Ça veut dire qu'ils font vraiment attention à ce que les gens remontent, ils font vraiment attention à ce que les gens disent et qu'ils réagissent pour que ça arrive pas, pour que ça gêne personne. Je pense que sur Ad Astra, ils sont aussi beaucoup comme ça parce que, genre, on m'a fait comprendre que, par exemple, nous les filles, on a souvent ce problème-là de gros lourds, par exemple, qui insistent à mort pour avoir ton numéro en RP, qui te harcèlent en RP et tout ce genre. Sous couvert de t'aider, à faire plein de trucs, ils sont toujours collés à toi. Et comme ils sont gentils, t'oses pas les dégager. Et ça, comme fille, on a souvent ce problème-là partout, sur tous les serveurs. Et je sais que sur Ad Astra, ils ont l'air attentifs à ça, comme ils ont été attentifs à ça sur la live. Et pour moi, c'est les signes que c'est un bon serveur. Et quand j'entrais, je faisais pas de bruit. Pou pou pou, pou pou pou, pou 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 pou. Bah non, c'était très discret. Hashtag, t'as fini ton live. Oui, désolé mon petit hashtag, mais bienvenue parmi nous. Mais c'est la fin du live, je suis désolée. À l'instant, on vient d'éteindre GTA. À l'instant même.
Ouais, bah, surtout que là, les trucs qu'ils ont fait remonter au Modo, en fait, c'était des scènes. C'était pas des scènes, en fait. À chaque fois, ce qui m'a les deux trucs qui m'ont été reprochés, c'était la conduite et le alt-tab, que soi-disant j'aurais regardé un stream en même temps et qu'après je serais revenu envoyer un message à la personne qui était en stream. C'était des scènes où j'étais toute seule en fait. Et c'était une personne qui a regardé mon stream qui a dénoncé ça, tu vois. Ce qui fait que c'est pas quelque chose qui a pu polluer le RP de quelqu'un, tu vois. Ce qui fait que ça m'a encore plus énervée parce que les admins et les modos auraient dû se rendre compte que c'était une dénonciation d'un mec vénère, tu vois. Et juste, ils auraient juste pas dû lui donner de crédit. Et bon, moi en fait, le truc, c'est que ça m'a mis mauvaise humeur. Des mauvais joueurs, ouais, c'est ça. Oh, pauvre petit hashtag, je suis désolée, ton cœur est brisé. Je suis vraiment navrée. Peut-être que demain, t'auras le loisir d'arriver, peut-être, pendant que je suis en live. En tout cas, on va regarder s'il y a quelqu'un à host. Bah, c'est sûrement quelqu'un que vous connaissez, que moi je connais pas, donc voilà. Hop. T'as même pas Insta, non. Hop. Non, attendez, attendez, vu qu'on n'est pas beaucoup, on va chercher vraiment une chaîne où il n'y a personne. Sur du GTA. Pour que ça fasse plaisir à la personne qui est en train de streamer. Là, c'est des Anglais. Faut que je libère de l'espace sur mon disque dur. On n'est pas beaucoup de Français à cette heure-ci, hein. Je sais pas, en fait à la base je voulais hoster quelqu'un sur Adastra, mais c'est des grosses chaînes en fait. J'aurais préféré, comme vous êtes encore une quarantaine, vous envoyer chez quelqu'un qui a personne en fait, ça lui aurait fait plaisir. Donc partez pas, restez le temps qu'on hoste quelqu'un, ça fera plaisir à cette personne. Voyons, voyons. Je pars dans les chaînes tout en bas, les chaînes françaises tout en bas. Partez pas, hein. S'il vous plaît, restez pendant qu'on est une quarantaine. Je regardais Teuf pour les AP, il m'a fait découvrir, c'est cool en vrai. Ah! Bah écoute. J'ai vu qu'il avait été pris sur Adastra. Partez pas, partez pas, partez pas. S'il vous plaît, soyez gentils de rester une quarantaine. Je vais vous envoyer chez quelqu'un bah, que je connais pas. Quelqu'un qui a vraiment pas grand monde et ça lui fera super plaisir. Donc, je suis en train juste de chercher où je vous envoie. Alors.
en bref, dans les chaînes, à 3 viewers et tout. Donc voilà, vous imaginez, quand on a 3 viewers, c'est sympa de recevoir une vague de gens. Puis on va parler un petit peu dans le chat de cette personne. Ah putain, ça va. Tu veux quoi, flic de UFC? J'ai plein de liens. Attendez, attendez. Envoie mes vidéos. Oui, attendez, attendez, attendez. En fait, juste. J'aimerais trouver quelqu'un qui. Qui a l'air d'avoir. Ben, comment dire c'est que, comment dire? Je sais pas. Du Pokémon, ça vous tente? Écoutez, je vais vous envoyer là-bas. Attendez, je regarde un peu ce que c'est, comment il parle ou quoi déjà. Ouais, S'il c'est ça. pop genre en arrière, ben il peut Les juste Québécois. l'entendre si c'est un Pokémon comme le Bulbasaur qui est genre proche de Ça vous toi. tente? Ouais. Ouais, c'est ça. Plaisir, c'était un ami à toi. Mais non, j'ai pas d'ami à moi. Os Antares, mais je l'ai déjà hosté la dernière fois. Antares, je vais pas l'hoster à chaque fois, même si je l'aime beaucoup. Puis bah là, j'aime bien décider un petit peu toute seule de qui je hoste. J'aime pas hoster plusieurs fois la même personne. Puis quand on est une quarantaine, Antares il est sur du Jurassic World là, donc il est même pas sur Ad Astra. Et cette personne-là, elle a deux personnes sur son live. Vous imaginez son plaisir quand il va recevoir tout plein de gens? Ça va vraiment lui faire plaisir que Antares, il a eu l'habitude d'avoir du monde et tout pour lui. Recevoir 40 personnes sur du Jurassic Park, ça va pas changer grand-chose à sa vie. Tandis que cette personne-là, recevoir 40 personnes d'un coup, ben, je pense que ça lui fera grave plaisir. Alors, on se retrouve dans son chat, et puis soyez gentil avec lui, et puis lâchez-lui des follow, ça lui fera plaisir. Puis comportez-vous correctement. À tout de suite! Genre une chance, ben à fond il y a comme quatre chances d'être shiny, là, fait que...